Aujourd'hui 20 juin, l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, organisait des portes ouvertes dans ses centres de formation pour les métiers du bâtiment. Le bâtiment en ce moment c'est un peu tendu, c'est un peu difficile par rapport aux débouchés et à l'emploi. Cependant, si on ne prend pas aujourd'hui le temps de former des professionnels, lors de la reprise qui ne saurait tarder, nous n'aurons pas les compétences à disposition des entreprises. Le bâtiment est un milieu en mutation, sensible aux préoccupations actuelles. C'est ainsi que l'AFPA propose une formation à l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Alors l'isolation par l'extérieur, c'est tout simplement la meilleure manière, le meilleur procédé de faire des économies d'énergie, à savoir les déperditions d'énergie en termes de chauffage au niveau des toitures, des façades, des ponts thermiques et des ouvertures fenêtres et tableaux. Donc c'est un métier qu'on peut appeler ITiste absolument. Donc on va retrouver, je pense, dans les mois et dans les années à venir, des entreprises et des salariés uniquement spécialisés dans ce domaine d'activité. Florian est titulaire d'un BTS dans le bâtiment, sa formation n'est donc pas une reconversion. Le support, je le connais déjà, parce que je suis issu du béton, du gros œuvre, et donc je le vois plutôt comme un complément. Vu l'augmentation des énergies, voilà, c'est tout simple, donc je pense que oui, c'est un métier d'avenir. Ouais. En 2011, l'AFPA Midi-Pyrénées a formé 7527 stagiaires. 62% d'entre eux ont obtenu un emploi dans les 6 mois suivant leur formation.